Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je pense que là-bas de votre côté, vous êtes le soir, selon le pays. Hein. C'est pas tout le monde qui est qui a la soirée. Donc je vous souhaite une très bonne immersion pour le Maroc, Marrakech, centre-ville, une petite immersion. On va commencer par la mosquée. Bon, immersion les amis. Alors, il fait très chaud. On a un soleil qui est très centré. On a la grande mosquée ici. Donc, je vais essayer le plus possible de vous donner des précisions au niveau de la mosquée. Alors ici, on a la grande mosquée Koutoubia Marrakech, qui est ici en face de moi. Alors ici, pas de feu de piéton, faut traverser le feu de piéton. Je pense que le passage piéton, il est un petit peu plus loin. Mais là, il faut faire gaffe parce que sinon, on va se faire renverser. Viens avec moi. Viens. Merci. Merci. Ah ouais, mais là. Alors ici, on a un petit parc à côté de la mosquée. Ça, c'est la grande mosquée qu'on a ici. Mosquée Koutoubia. Il y a un petit parc à côté. Alors, je vais m'aventurer prudemment parce que je pense qu'il y a des zones ici où on ne peut pas trop y aller. Là, ici, on a cette belle mosquée. Vous avez vu? Ah, des dattes, il n'y en a pas. Regardez, il y a un dattier ici. Ah, y a rien. Hein. Ah si, il y en a quand même quelques-unes là qui sont tombées. Des dattes, regardez. Alors, je vais tourner un tout petit peu plus pour que les gens puissent voir. Que vous puissiez voir la place, la zone, les endroits. Donc je rappelle, hein, Maroc, Marrakech, immersion 1. Alors on va aller comme ça. C'est tellement grand les amis, on ne peut pas tout quadriller en un seul jour. Je vais essayer tous les deux jours de faire un live immersion. Tous les deux jours, j'ai bien dit. Alors, à l'entrée de la mosquée, c'est où? Il y a le Coran, la vente du Coran, les parfums, Kofia. Ah,
J'ai même pas de monnaie ici. Alors, on a vente de canne à sucre. Putain, les cannes à sucre, ils sont énormes ici. Alors. Là, on a un petit parc ici. Regardez. Là, c'est des oranges. Est-ce que c'est des oranges? Je sens, c'est des oranges. Mais il n'y a personne qui prend. Hein. Regardez. C'est des oranges. Ici, il ne faut pas toucher. Hein. Faut pas s'amuser à commencer à prendre. Donc c'est des orangiers, plein le parc, c'est un parc. Dis donc, c'est assez sympa, ici ils ont une rigueur de vie impressionnant. Impressionnant les amis. Non, c'est plutôt lui, Eddie, c'est plutôt lui. Moi, je suis un invité, c'est pour tenter une expérience. Donc, on va bien voir la progression de l'expérience. Là, ici, on a la mosquée, on a la grande mosquée. C'est plutôt lui. Donc, on est parti de Toulouse. On est parti de Toulouse, ça fait, si on s'y prend tôt, ça fait à peu près une cinquantaine d'euros. Le billet, ça te fait 100 euros aller-retour, plus un petit hôtel à côté, light, c'est-à-dire pas trop cher, pas très abusé quand même. Mais le prix, ça va. Les amis, les oranges, regardez les oranges, c'est ça le truc, les oranges, les gens ils prennent pas, je pense que c'est les services de mairie qui s'en occupent. Et la mosquée est entourée de grands parcs, je pense que ça fait un 360 de parcs, que des parcs, la mosquée est au milieu, vous la voyez, elle est ici. Et tout autour, on a ces parcs ici qui sont entretenus. Il n'y a que des oranges, les amis. Il n'y a que des oranges. C'est un truc de dingue. Donc, les amis, Marrakech, vous en avez entendu parler, mais vous y êtes actuellement avec moi. C'est une expérience que je tente. Donc, on verra bien vos avis, les amis. Donc, c'est pas mal d'investissement. Allez, j'essaye de quadriller un peu, de faire le tour du parc. Le billet, c'est pas cher, les amis. Ryanair. Vous regardez sur les applications, vous regardez sur des jours qui sont favorables, moins chers. Vous pouvez avoir même 20 euros la place. Hein, si vous vous prenez 2 mois en avance, que vous vous organisez. Vous pouvez avoir un vol en famille, c'est-à-dire une sortie en famille qui est moins chère pour pouvoir profiter avec la famille. Donc, mon objectif des immersions, c'est pour vous montrer que ailleurs, il y a mieux que chez nous. On peut voir mieux que chez nous. Il n'y a pas que chez nous. Il y a plein de choses qui existent, plein de cultures. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est une expérience et on va pouvoir se baser là-dessus. On va pouvoir se baser là-dessus pour des prochains projets,
etc. Donc ici, là, je vous fais en live, et puis on fera hors live les autres vidéos pour s'incruster un tout petit peu plus sur les cultures, etc. Mais c'est pas facile parce qu'il faut connaître un petit peu le lieu, il faut maîtriser ce qui est négatif, ce qui n'est pas négatif. Donc c'est important de maîtriser la situation. Alors, le parc est énorme. Vous voyez, il y a du monde. Je ne sais pas ce que ça donne le soir, mais ça doit être une bonne chose de venir voir le soir un petit peu, faire une petite vidéo nocturne. Donc ici, vous voyez, on a la mosquée en face, le parc. Il n'y a que des orangers, les amis. Que des orangers. Salam alaikum. Il y a beaucoup de Renois aussi. Il y a beaucoup d'Africains. Il y a des frères. Oui. Alors, on va s'enfoncer dans le centre-ville, les amis. Accrochez-vous, hein. Accrochez-vous. On va s'enfoncer dans le centre-ville. Regardez comment c'est beau. Hein? Profitez de la vue. Profitez, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde qui prend son énergie pour vous montrer tout ça. Vous savez, moi, je suis engagé sur tous les fronts pour vous montrer ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe chez nous, à Mayotte, ce qui se passe... dans le monde. Je me suis aventuré au début sur des endroits où j'ai risqué ma vie déjà, hein. Il faut le savoir, à Mayotte j'ai pris quelques risques quand même que j'ai fait pour pouvoir vous montrer des choses, ce qu'il y a chez nous, ce qui se dit pas, ce que l'on parle pas, etc. Tout ça c'est important, c'est un but précis pour voir tous les problèmes, pour faire ressortir tous les problèmes afin de les résoudre, afin de les résolver, pardon. Et donc c'est une bonne chose. Ouais, les gens ils prient autour de la mosquée, c'est pas une honte. Ici les gens ils prient partout où tu fais ta prière, les gens ils vont pas rigoler, ils vont pas se foutre de toi. Donc c'est pas bizarre. Ici tu peux prier même là, les gens ils vont rien dire. Donc on va s'enfoncer dans le centre-ville, les amis. Donc vous avez de la chance. Ici, le réseau est au maximum. Il y a plein d'antennes partout. On est entouré d'antennes téléphonique afin que ça puisse capter bien. Donc c'est Marrakech avec plein de surprises. Je connais pas, je découvre en même temps que vous. Donc let's go. Donc ici on va s'aventurer sur la route principale, après on va s'enfoncer dans le cœur de la ville. Donc il faut savoir que Marrakech est très 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 grand. Allez, là, je m'aventure sur le centre-ville. On était ici sur le parc. Donc, parc Laïla. Parc Laïla Hasna.
c'est le parc qu'on vient de voir autour de la mosquée. Nickel, hein. Super propre le parc. Voilà, ici, on est sur la route principale. On est sur la route principale. Ouais, c'est ça, les routes de Marrakech. Certaines, en calèche aussi, ça passe. Là, il n'y a que des touristes. Si vous voyez une calèche, égale touriste. Donc les parcs, il y en a plein. Bon, je me permets de vous expliquer un peu. Je vous laisse pas à la rue. Allez, je m'éteins un peu et je vous laisse regarder. Donc il y a un palais royal ici, on ira voir après le palais royal, mais je pense que personne ne pourra y rentrer. Mais c'est à ma droite, le palais royal est vers là-bas. Alors, on va essayer de passer. On a une station totale ici. Alors là, le CD passage, les bus. Bon, allez, let's go. Ben. Tiens, lui, rien à foutre, lui, hein. Il s'en fout, hein. Il monte sur le trottoir, il chevauche, il passe par là. C'est bon, on va voir un petit peu de tout. Mais c'est assez sympa. Les gens, ils vivent sans stress. Hein. Ils ont pas du stress en eux. Voilà, on jette la nourriture pour les animaux comme ça. Vous voyez? Il fait très chaud, les amis. Très chaud. Là, on s'enfonce dans le cœur de la ville. Donc, je rappelle ceux qui arrivent sur le live. Marrakech. Donc là, ici, on peut faire des Western Union. Il y a des magasins un petit peu partout. Et ici, tu as des restaurants, des hôtels. Bon, je vais essayer de passer. Alors ici, faut pas s'attendre au feu de piéton, hein, lambda. Faut s'adapter. Casque à l'envers. Thank you.
Allez, on va s'adapter. Ici, c'est comme en Afrique, je suis habitué parce qu'il faut traverser comme ça. Vous voyez, à cette hauteur-là, il n'y a pas de feu. Hein. Donc, il faut se glisser. Ah tiens, il y a un policier ici, un régulateur de circulation qui est là. Et encore, il s'arrête. Hein. Vous voyez, là, là c'est chaud. Ouais. C'est chaud, les amis. Faut ouvrir bien les yeux. Alors, on va s'enfoncer dans la place du marché. Je vais vous donner le nom de la place du marché. On y était tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas sur le live précédent. Alors, ici, place Jana Elfna. Place Jana Elfna, c'est là où on va y aller. La grande place du marché. Allez, let's go. Le Maroc pour les arrivants. Alors, n'oubliez pas les amis, à mettre des gemmes. Hein? Ils voient rien là les gens. Non mais j'ai déjà vu, j'étais déjà là. Oui. Oui, merci. My brother, this is Fahima. How are you today? I am fine, no. Yeah, maybe lighter. This is my and the Lebanese. This is a very good brother. Yeah, I know. Yeah, yeah, all produce is local. Ice cream, everything. I see you. Yeah, you are come. You know me. Yeah, where you come from again? I'm from Mayotte. Yeah, Mayotte. I'm from Senegal. Oh. You are come. Thank you. Donc ici, il y a des... Ça c'est... Il y a tout type de pauvreté hein, partout. Hein. Il y a des gens qui sont en capacité, des gens qui ne sont pas en capacité. Il y a trop de cartes. Pardon, pas de français. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Non, c'est bon. Ah, tiens. Hey, ils donnent trop de cartes. À la fin. À la fin, on a plein de cartes dans les poches, on ne sait pas laquelle. Quelle chaleur! La chaleur, les amis, la chaleur. Il fait bon, il fait bon. Il fait bon, alhamdoulilah, il fait bon. Il fait bon. Bien chara, bien chara, bien chara, bien chara. Bien chara, bien chara. Allez, j'étais pressé de vous montrer, les amis. Voilà, on y est. On y est. N'oubliez pas hein, d'aller vous abonner sur YouTube de Zocol TV. Parce que après, j'aurai une vidéo externe à poster sur YouTube. Il y aura des vidéos de 3 minutes pour la coutume. Il y a pas mal de magasins à vous montrer. Donc en généralement là où il y aura du réseau, je pourrai vous montrer. Donc direction place Jana Elfna. Allô,
Il y a les banques aussi, hein, Société Générale, il y a Crédit Agricole, mais Crédit Agricole du Bled, Société Générale du Bled. Il y a beaucoup de touristes, les amis. Allez, je me tais parce que je parle beaucoup. Alors, je vais pas rester très longtemps, les amis, sur le live. Là, vous voyez. La place Jana Elsna. Donc c'est une grande place, une place, la place du marché aussi, il y a du marché, mais là il y a moins de monde, le matin il y a plus de monde. Vous voyez la place, elle est complètement vide. Yeah.
Alors on va passer ici. Ici. Yes, yes, thank you. I know this juice, free juice. Free juice, here is the spirit. Yeah. Oreo is good. Look at it, God, this is beautiful. Thank you. Welcome. Thank you, guys. I'm from Mayotte. What? I'm living in France. Yes. I was born in Mayotte. For you, it's Morocco. Yes. Yeah. Today. It's the last time. Yes. Yes. Last time. Oh my God. I'm here. Do you want some more? Thank you. I know this is a beautiful, beautiful juice, natural juice. Thank you. You want small one or the big one? What? One small one for this one. This is mixed between five fruit. Tomorrow, mango, pineapple, orange. Tomorrow I can come here to drink juice. Inshallah. Because you are very kind. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Sorry, my brother. No. Sorry. I have a single glass. Thank you, guys. Bon, les gars, on se débrouille un tout petit peu en anglais. Je parle pas très bien anglais, mais on se débrouille. Donc ici, on a une zone qui vend que des jus naturels, comme vous avez vu. C'est des jus pressés sur place, hein, il n'y a pas de trucs chimiques. Donc, on se débrouille un petit peu en anglais. On est nul en anglais, mais bon, c'est pas grave. On arrive quand même à échanger un petit peu. C'est ce qui est important, avoir des petites bases. Alors, il est quelle heure ici? Ça te va? Il est quelle heure ici? Il est... Il y a une heure de décalage. Il y a une heure de décalage. Une heure de... J'ai pas l'heure, j'ai pas le fuseau horaire exact ici. Hein, mon horaire est toujours resté basé en France. Donc... Je ne peux pas vous estimer l'horaire exact, les amis. Désolé. Alors là, on fait le tour de la grande place Djana Elsna. Ici, on a le côté qui est très bio, qui vend les jus, qui vend pépinières, etc. Il y a les toilettes ici. Et là, l'hôtel de police qui est là. On a l'hôtel de police qui est juste ici. Sûreté nationale. Ouais, les gars très sympas qui m'ont donné le jus. Vous voyez ici les aliments. On leur met de l'eau en place. On leur met de l'eau, du pain. D'accord, ils sont totalement libres. Hein, ils sont pas chassés comme en France. En France, les gens les chassent. Ils mettent des pièges. Ici, il n'y a pas des pièges pour les pigeons. Vous savez, les pièges pointus qu'ils mettent sur le toit pour éviter que les animaux se posent. Eh ben ça, ils mettent pas ici. Parce que ça traumatise les animaux. Donc ça, c'est le centre de la police, ici. Et on a la police nationale. Hein. Alhamdoulilah. Les amis, c'est une vie, on la vit qu'une fois. Si on vous fait des fleurs, si on vous fait des bonnes choses, acceptez-les. Hein. Faut accepter telle que la vie, elle vient. Faut accepter les choses naturellement telles qu'elles. Donc, je ne durerai pas très très long sur les lives parce que les données mobiles ça va très vite ici. Donc ici je suis déjà passé là.
Hey brother, where are you from? Huh? You, where are you from? Senegal. Senegal? Me. Oh, people, black people from Senegal. Me. This is good. Okay. Thank you. Nagaref. Maifi. Nagaref. All black people from Senegal. Very good. Donc ici, on a les stands de serpents. D'accord, ici, la danse du serpent. On a ici, il y a plein de stands sur la place Jana Elsna. Donc surtout à ne pas se toucher, hein. C'est des serpents venimeux. Et donc l'objectif c'est de les hypnotiser avec, vous voyez ici. Donc l'objectif. L'objectif. I am in alive. Okay, welcome. Ça va, je parle français. Ça va, bienvenue. Salam alaikum, ça va? Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. C'est le cobra, la vipère, oui. La couleur. Ah, ça c'est la couleur. Oui, voilà. Couleur, c'est gentil. Ouais. Il force les gens. Il faut se méfier des gens ici, il force. Il faut du forcing. En fait, ils font exprès. Pourquoi je dis non au serpent? Il faut exprès de mettre le serpent, comme ça, tu es redevable envers eux. Tu donnes quelque chose. Mais bon, on a déjà donné beaucoup ce matin, là. Donc ici, on les écoute. C'est pas bon. Donc il faut faire gaffe quand vous venez ici, les amis. Votre portefeuille, hein. Les gens, ils sont gentils, ils sont... Mais ils ont plus la valeur marchande que la valeur humaine. Donc retenez bien ça. Ne soyez pas très ouverts. Dites non hein, parfois parce que les touristes là, c'est presque de l'harcèlement. Hein. C'est presque de l'harcèlement. Moi, je le prends comme ça. Oula, hé, hé. Bon, on va sortir de la route. Et on ne sait pas qui est priorité, qui c'est qui n'est pas priorité ici. Alors, il y a des marchés partout. Donc vous inquiétez pas, pour la topo, je vais pas me loser. Hein. J'ai déjà pris... alors ici, il y a plein de... On vend du parfum, on vend de peau de hyène. On sort de là. Il y a beaucoup de motos. Kofia. Alors là... On a la peau d'animaux, ils vendent de la peau d'animaux. D'œufs d'autruche. Il y a des... Alors, t'as les maillots, hein. Señor Haaland, Ronaldo, Messi. YouTuber. Money, hein. Bon,
Les gens ils volent pas ici, c'est ça qui a. Il doit y avoir quelques vols, hein, mais c'est pas très courant. Le vol n'est pas très courant au Marrakech. Pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Donc je m'aventure pas à l'intérieur parce que ça risque de ne pas capter. Sambousa, là on a du sambousa. Ça ouais. Ma bonga sambousa mji. Il est aussi un mbili tout. Mbili basse. Mbili basse. Vous soyez à garage. Alors ici c'est la parfumerie naturelle, donc on a tout type de variété de parfums ici que vous pouvez infuser dans les maisons. Alors on a une mosquée ici, on a une mosquée là. Donc on va tout de suite voir quel type de mosquée, quel est le nom de la mosquée plutôt. Alors c'est quoi le nom de la mosquée? Café Rouge. Ça a l'air d'être une mosquée mais je vois pas le nom. C'est une mosquée ça? Oui. Et pourquoi je vois pas le nom sur... Ben, je vois pas le nom de la mosquée... Je vois pas le nom de la mosquée sur map. Pour ça je voulais vous dire le nom. J'ai bien vu que c'était une mosquée mais fallait vérifier l'authenticité. Alors ici c'est les petites rues, donc on va y aller un tout petit peu pour vous montrer, mais ici je vais faire un hors live pour YouTube, donc ça sera pas pour, tiens même les motos s'aventurent ici. On fait demi-tour parce que ça capte pas bien. Il est énervé lui en moto. Donc ici donc ceux qui viennent pour faire du commerce, pour acheter des aliments en gros ou des vêtements en gros, etc. C'est autorisé. Hein. Vous amenez votre patente, vos documents, vous venez ici, vous venez acheter, c'est moins cher. Hein. Vous pouvez faire des bonnes affaires ici. Donc, Marrakech, les amis,
J'aimerais tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est de liker maximum la vidéo, de saluer mon courage, de vous montrer tout ça. C'est beaucoup d'efforts, hein, et d'investissement, bien sûr. Et moi, je le fais pour rien. Je l'ai fait pour rien. Je l'ai fait pour rien au retour, je voulais dire. Et puis, je le fais pour Mayotte. Car c'est ça qui va se passer pour Mayotte. Quand je vais rentrer à Mayotte, on va reprendre les immersions pour voir les villages qu'on n'a pas pu voir. C'est important. C'est très important, ça me tient à cœur de reprendre cette quête pour pouvoir vous montrer comment Mayotte est. C'est vraiment important. Donc voilà, j'attends votre soutien toujours, hein, sur la page. Vous, chers frères et sœurs, les abonnés, qui que vous soyez, de donner du soutien toujours pour que je puisse continuer. Hein, parfois l'esprit n'est pas là, parfois l'esprit n'est pas là, parfois l'envie n'est pas là, parfois la fatigue est là. Et donc on a besoin des gens qui peuvent nous motiver, etc. De nous donner le goût de continuer toujours. C'est important, c'est très important. Allez les amis, on va se laisser ici. On va se laisser sur la place Jana Elsna. C'est cette place que vous voyez ici, la grande place du marché Marrakech. On se retrouvera sur un autre live, sur un autre secteur. Je vais devoir étudier d'abord la cartographie. On n'a pas encore terminé le centre-ville, mais on va bien voir ce que je pourrais vous exposer. Merci à vous, merci d'avoir été nombreux. Donc c'est ça le Maroc, le Marrakech. Donc dans Maroc, Marrakech, ville Marrakech. Parce que Maroc est grand quand même. Il y a pas mal de villes. Donc celle-ci, c'est la ville phare touristique du Maroc. Donc ici, la place Jana Elfna. On a le musée Jana Elfna. Ici, musée traditionnel immatériel qu'on a ici, vous voyez là, c'est le musée qu'on a là. Donc je peux pas vous exposer toute l'histoire du musée, mais je pense que ça retrace un petit peu l'histoire de Maroc, ce musée qu'il y a ici, là. Et bien sûr, quand on vient dans un pays, on s'est intéressé aussi de son histoire. On a la poste de Maroc. Oui, leur bureau de poste. Je salue à tous mes frères marocains et sœurs marocaines qui sont sur le live, s'il y en a. On a un petit peu tout le monde dessus. Donc, alors ici, il faut faire très attention là où on passe. Hein, il n'y a pas de traçage au sol pour la circulation. Il y a une moto qui peut venir derrière vous ou devant vous, ou une voiture, tu n'entends pas arriver, donc il faut avoir
les oreilles bien aiguisées, le regard bien aiguisé aussi. Les amis, vous vous rendez pas compte, mais là, vous venez de voyager. Vous venez de voyager. Vous êtes à la fois dans votre pays et à la fois projeté au Maroc, dans Marrakech. C'est beau, hein? Alors on va passer voir les calèches. Alors ici c'est le lieu de taxi calèche. Voilà, frère. Voilà, les chevaux ils sont très maigres ici, certaines. Hey, donnez-moi balapundra, hein. Donnez-moi Gongola balapundra. Bon, ici, il y a un petit peu de la souffrance au niveau des animaux. On le voit bien. Il y a quelques chevaux quand même qui sont malades. On le voit. Mais bon, ça reste un autre sujet. Mais c'est bien. C'est bien. Les gens essayent de s'en sortir. Hein. Les gens essayent de s'en sortir. Comme partout, la vie est difficile, la vie est dure. Bon, les amis, je vous laisse ici. On se retrouve à demain, Inch'Allah, avec peut-être des petites stories. Peut-être je prendrai la pause pour demain. Et mercredi, on fera un live immersion. D'accord les amis, je vous laisse avec ces belles images du soir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Inch'Allah, on se retrouve à très bientôt sur Zocol TV. Bonne soirée à vous, je vous aime, que Dieu vous garde. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct de Maroc, Marrakech. Je vais vous présenter l'herboristerie Fatima Oil. Donc ici, vous voyez, c'est que des aliments, des ingrédients plutôt bio, qui est médicinal. Donc ici, on a du parfum. C'est pas un tableau, hein, c'est du parfum. Donc la zone, elle se situe ici, près de la mosquée, la grande mosquée. Et voici l'entrée. Je vais vous faire découvrir cet endroit très harmonieux, rempli de parfums.
Donc ça donne ça, l'endroit. Fatima Oil. Donc fabrication artisanale. Là ici on a que du parfum. Parfum, huile. Donc ici vous avez tous les produits bio, que ce soit parfum, gingembre, safran, vous avez les remèdes contre le cancer, vous avez pas mal de choses dans ce type de magasin, des remèdes naturels, magasin bio, votre médecin bio, on va dire, ici la médecine naturelle tout simplement. La décoration intérieure, comme vous le voyez ici, marocaine. Ça, c'est de la vase. Thank you.
Tchit-tchit.